La musique, c'est tellement présent dans toutes les cultures. Et tu peux pas aller dans une culture où est-ce qu'il y a pas de musique. Je pense que personnellement, on a tous expérimenté la puissance de la louange, la puissance de la musique, puis on veut la vivre ensemble. La chair de poule me montre ses bras, c'est quelque chose qui s'explique mal. L'être humain a envie de s'exprimer musicalement, de manière musicale. Moi, mon nom, c'est Dom Chaussé. Mon nom, c'est Oa. Jean-Daniel Labrie. Bon, mon nom, c'est Marie-Pierre. Je travaille au social. Je suis cardiologue. Traducteur. Charpentier menuisier. Le collectif de Axe 21, plusieurs musiciens de différents campus, c'est pas parce qu'on a des points en commun ou les mêmes activités ou même la même façon de penser musicalement. On a envie d'exprimer ce que Dieu a fait, que ça devienne un cri de cœur, une déclaration qu'on fait tous ensemble. Homme de douleur a été un peu comme l'élément déclencheur. J'ai vraiment une vision de tourner ce premier d'Euclide-là dans la demeure de Dieu, dans la nature. Mais cette chanson-là est significative pour moi parce qu'elle me rappelle vraiment les faits qui m'ont conduit à ma conversion au christianisme. C'est une chanson qui était à l'origine composée en anglais. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, je pense, pas juste pour moi, mais pour toute la francophonie. C'est la plus belle histoire que l'humanité a pu vivre. C'est l'histoire d'un Dieu qui s'est fait chair et os sur Terre et qui a souffert pour donner sa vie à ses enfants. On fonce, on continue d'écrire, on continue d'être à l'écoute de qu'est-ce que Dieu veut dire. Il y a 1000 personnes en arrière aussi de ce projet-là. C'est un collectif d'église. Fait que là, gang, c'est à vous autres. On veut que vous likiez notre page, on veut que vous nous suiviez sur Instagram, puis sur YouTube. Notre but, c'est que le plus de monde puisse voir ce qui se passe au Québec, à quel point Dieu est grand, puis on a besoin de vous autres pour ça. Fait qu'on compte sur vous.